Le trésor des mots, CM2, cahier d'activité. Grammaire, les types et les formes de phrases, page 23. 1. Complète les définitions suivantes avec ce qui convient. A. Il y a 4 types de phrases. B. La phrase interrogative permet de poser une question. Elle se termine à l'écrit par un point d'interrogation. C. La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment. Elle se termine exclamation. D. La phrase injonctive exprime un ordre. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. E. La phrase déclarative se termine à l'écrit par un point. Elle permet d'exprimer une information. 2. Dans ce dialogue, précise le type de chaque phrase. Qui est ce Peter, ma chérie? Phrase interrogative. C'est Peter Pan, maman. Phrase déclarative. Peut-il voler? Phrase interrogative. Oui, il vole comme un papillon. Phrase déclarative. Quelle étrange créature! Phrase exclamative. 3. Souligne les phrases impératives. Cette lumière étincelante me réveille. B. Sois à l'heure. C'est une phrase impérative. On va la souligner. C. Tout est magnifique dans cet endroit. D. Venez voir ce que j'ai trouvé. C'est une phrase impérative parce qu'il y a l'ordre. E. N'oublie pas d'apporter ton goûter. C'est une phrase impérative parce qu'il y a l'ordre. 4. Dans ces phrases, l'interrogation est-elle totale ou partielle? C'est quoi une phrase totale? C'est quoi une interrogation totale? C'est une question qui attend une réponse par oui ou bien par non. Alors, si la réponse n'est pas oui ou bien non, donc on dit c'est une interrogation partielle. A. Combien coûte cet album de bande dessinée? Partielle. La réponse ne peut pas être oui ou bien non. B. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Donc ici, on peut dire oui ou bien non. Donc, phrase interrogative totale. C. Pourquoi y a-t-il trop de monde ici? C'est une phrase interrogative partielle. On ne peut pas répondre par oui ou non. On doit dire la cause. D. Avez-vous déjà visité ce musée d'art contemporain? Phrase interrogative totale. Donc on va dire interrogation totale. On peut répondre par oui ou bien non. E. Quel est le héros de cette histoire? C'est une interrogation partielle. 5. Donne un exemple pour chaque type de phrase. Phrase déclarative. J'habite ici. Phrase impérative. Ferme la fenêtre. Phrase interrogative. Quel âge as-tu? Phrase exclamative. Quelle belle nature. 6. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Peter Pan veut grandir. Peter Pan ne veut pas grandir. B. Elle fait toujours du sport dans cette salle. Elle ne fait jamais du sport dans cette salle. C. Mon cousin s'intéresse à la robotique et au théâtre. Mon cousin ne s'intéresse ni à la robotique ni au théâtre. D. Je continue à marcher. Je ne marche plus. E. Écris dans cet endroit. N'écris pas dans cet endroit. Ou bien, n'écris nulle part. 7. Donne un exemple pour chaque forme de phrase. Phrase affirmative. Je fais les exercices. Phrase négative. Je ne voyage plus à la campagne. Transforme. 8. Transforme en phrase interrogative. Le bateau débarque ce matin. Est-ce que le bateau débarque ce matin? B. Il arrive toujours en retard. Arrive-t-il toujours en retard? C. Nos voisins sont originaires du sud. Est-ce que vos voisins sont originaires du sud? D. Il y a 15 éléments dans cette liste. Combien y a-t-il d'éléments dans cette liste?